Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 431e épisode de notre saison 5 de Station Ears, toujours sur Vulcain. Aujourd'hui, on continue de préparer nos codes pour envoyer nos données de minerais et de lingots. Allez, en route. Et... c'est tout. Mais comme ça, je suis sur les mêmes. Ça, je suis pareil. Voilà. Donc toi tu commences du coup à... Pourquoi 14? Ah bah oui, 14 parce que je me... juste laisser un espace. Ok. Donc 14 et tu finis à 33. Donc faut que je me mette 33. Donc 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je m'arrête là parce que, en fait, il n'y en a que 30. Parce que... non, il y a l'hydrocarbone. Et je ne l'ai pas dans mon stockage ici. Il y a le copper. Il s'appelle bien SDB Silo Copper. Copper. Gold. Iron, LED, nickel. Je suis en train de me dire que j'aurais dû juste supprimer un truc. Silicone, silver. Ensuite, la constante. Constante. Electrum. Invar. Stolder. Steel. Et là, ici, on a... couche... couche 0. Après le steel, on a également couche 0. Qu'on se retrouve 23 moins 23 moins 4 ça fait 19 14 ça fait 33 oui ça doit être bon Astroloy Astroloy Asteloy avec deux L. Inconel. Inconel. Delight. Et. Waspaloy. Alors. Branch equal 0. Yard 10 vaut 0. Branch relative equals 0 R10. Moins 1. Donc, on part du Waspaloy. (rire) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Non, pas de problème. 14, silver. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 pour Constantin. Est-ce que le Constantin est à 22? Constantin est à 22.
25, 26 pour le style, 28 pour Astroloy, 29, 30, 31, 32, c'est bon, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, bah alors ça va, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, oui ça va. Et vous, c'est 500. Donc ça peut faire 300 000. C'est Channel 3. Oupi. Se mettre ça dans un fichier Incode Storage. Un jour, je vais finir par les partager. J'ai pas copié. Voilà. Là, j'ai copié. Sauver. Mon or, du coup, c'est... Il faudra que je le reprenne. Channel 3. Toi, tu dois être n'importe quel LM. Voilà, par exemple. Et tu dois marcher. Je t'importe pour te sauvegarder. Là. Je live jusqu'à quelle heure? Je live jusqu'à ce que déjà j'ai fini tous mes monitoring. Ah, pourquoi t'es pas content toi? Error stack underflow at line 31. Ok. Ça, c'est un souci. Stack underflow. Mince, je viens de faire un export. C'est pour ça que je stocke mon code. Ah oui, non, ça va pas. Et ça là-bas non plus, ça va pas. Branch not equal 0. C'est pas not equal 0. Branch not equal. Branch. Greater than. Greater than quoi? Greater than. 14. Ça devrait être mieux. Ce qui veut dire que mon hors storage, il faut aussi que je le modifie. D'accord, t'es content? Oui, t'as l'air content. Toujours content? Ça a l'air. Ah
Parce que toi, du coup, c'est Branch. Witterdan. 2. Ça posait pas de... t'avais pas de crash parce que tu n'avais pas le petit bout de code qui revenait en arrière. Voilà. Je live sur quoi la prochaine fois? Bah la prochaine fois ça sera demain, et demain ça sera Coop Stationers aussi. Ça sera du Stationers. Dimanche ça sera soit du Turing Complete, soit de l'Horizon des Zero. Et lundi, ça sera nouveau du Station Years. Mardi, ce sera soit du Turing, soit de l'Horizon Zero Dawn, l'autre. Celui que j'aurais pas fait dimanche. Mercredi, ça sera du No One Survive. Jeudi, ça sera pas. Et vendredi d'après, normalement, c'est de l'Icarus. Je parle, je sais plus où je suis. Donc. Ce qui compte ici. J'ai presque envie de me mettre une frame ou deux là au cas où ça. S'il y a un coup de vent, je vais m'en vouloir. Viens là. Voilà. On va se mettre ça à côté. Pourquoi pas? Ah! Ok. Il faudra que je vous donne les noms. Or, ici, mon gote. Vous allez avoir besoin d'une LED chacun. Et donc, d'abord, vous allez avoir besoin d'un stats reader même, alias stats reader même, R0. Vous n'avez pas besoin du define silo. Vous allez avoir besoin d'emplacement dans la stack où mettre les choses, mais il n'y a pas besoin de les écrire là. Mais stack, on va faire. Si j'ai un 2, ça fera call. Si j'ai... Hein? Donc il va falloir que je push. Est-ce que je fais une double stack? Est-ce que je mets côte à côte?
Parce que là, je vais avoir la data. Donc, de quoi la biomasse. La data. Data. 2, c'est coal. Jusqu'à 12, c'est biomasse. Je peux stocker ça parce que je vais avoir là l'élément à stocker et son H. Je veux stocker le H, je veux le stocker dans la stack aussi. Ce serait logique. Donc, je stockerai à côté de la valeur. Réagir au stream, ça a quelque chose ou pas? J'ai pas compris la question, Noé. Noé. Est-ce que dans ma stack juste call plutôt réagir au stream? Réagir à quel niveau? Envoyer une réaction? Ah, c'est envoyer un emote quoi. Après si tu follow, ou même si tu peux te permettre de sub, ça sert à quelque chose, ça fait plaisir. Les bits aussi, ça fait plaisir, si tu peux te le permettre, mais c'est une obligation pour personne. Donc, je pourrais stocker la quantité, puis le hash, dans ma stack, cette forme-là. Donc, je ferai un move SP 2, un push 0. Il faut que je fasse un push 0 à chaque fois. Entre chaque, on va initialiser ma stack. Je push ensuite mes H. Non, pas après, avant. On va se rappeler ce que c'est comme ça. Il y a un truc qui fait que toutes les 5 minutes, on peut réagir à mon live. Je suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles. Ah, il y a les points de chaîne. Si tu cliques sur un truc toutes les 5 minutes, t'en récupères plus. En gros, si t'es actif, tu peux cliquer sur le truc, tu récupères plus de points de chaîne pour toi. Les points de chaîne, ça sert à... Enfin, ça servait quand je faisais du 7 Days, par exemple, à acheter des... Non, c'est pas ça.
Je ne comprends pas. Je suis désolé. Alors, quelqu'un d'autre du chat, peut-être, qui a l'œil sur le... Là, il voit de quoi tu parles, parce que moi, je suis... complètement à l'ouest. Cool. Alt. Plusieurs émoticônes qui veulent dire plusieurs choses en appuyant dessus et après on les en reste des. C'est juste des smileys quoi, c'est des emotes, c'est tout. Y'a pas de. Ah, tu peux envoyer des bits, mais aussi sous forme d'icônes, mais c'est pas la même chose, c'est de l'argent. Gold. Iron. Oh, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Oui, je sais pas. C'est du retour, c'est une enquête utilisateur. Nickel. Je sais même pas que tu aies des enquêtes utilisateurs sur. Silicone, silver. C'est écrit que je peux les voir à la fin du live. Bah écoute, ça me dit rien. Personne n'a jamais dû me laisser. Uranium. Et biomasse. Tu es la biomasse. Et salut Greg Peck. Ok. Donc maintenant. Dans mon main. Je vais d'abord avoir la récupération de la data. Donc, on fait un load D0 0 2. Dans quoi on va le loader ça dans R0. Oh. Je vais effacer ce qui ne sert à rien, qui était là juste pour l'exemple. Je pense pas que ce soit mes gosses qui m'ont encore filé la crève cette fois-ci. Je pense que je l'ai chopé comme tout seul comme un grand. On sera retransmis à mon tableau de bord des créateurs après la. Franchement, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Oui, j'avais besoin d'un alias. J'ai besoin d'un alias Préval en R10. Et on va dire branch not equal R0. Val vers une fonction store qui se
se termine dans JKRA. Donc ça branch nautical à elle. Et à la fin, on ouvre dans Prev Val R0. Ça doit être un truc récent, hein. J'ai jamais vu ça, du coup, c'était pas équivalent à la valeur précédente. Je vais faire le move tout de suite plutôt, ou de le faire à la fin, comme ça permettra de pouvoir bosser sur R0 sans tout péter. Donc dans mon R0, je fais un mode R1, R0, ça. Je fais un div R0, R0, ça. Et je fais un loop, un round R0, R0. Dans R0, j'ai mon SP qui va m'intéresser. Dans R1, j'ai la quantité. Et je peux faire du coup un SP R0 et push R1. Et je viens de mettre ça juste boulet. C'était là. Ensuite, j'ai la partie display. Donc pour ça, il me faut un petit timer. Comment j'avais fait sur mes précédents codes? Je vais pas réinventer la roue, je vais reprendre le power, pas le power reader, le gas reader. J'avais une tempo. J'avais une tempo. J'avais mis R14, je sais pas. J'avais un current display également. Donc toi c'est R11, toi ça va être R12. Et du coup ma tempo elle servait que... C'était dans mon display que je faisais un... Je réinitialisais tempo. Et j'incrémentais tempo à chaque tour, je branchais sur display si la tempo était supérieure à 2 secondes. Oui, comme ça. Quelque chose comme ça. Et display, c'est donc une fonction
Gmail. Est-ce que dans mon display... terminé par un Gmail. Logiquement, c'était un truc comme ça. Mon display, j'ai une erreur dans le code que j'ai sauvegardé. Parce que j'avais un JRA, oui, un Gmail. Et j'ai bien un Gmail là, et j'avais... ah, un branch greater than à elle. Donc c'est bien une erreur. On va le corriger après. Donc... mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.